plus satisfait du verdict, sans vengeance, sans colère. La justice est passée, c'est ce qu'on attendait. Être au verdict, c'était assez important, par respect pour tout le travail qui a été fait en 10 mois. Pour nous, ce n'est pas une page qui se tourne, mais ça va nous permettre, voilà, on va dire, d'anticiper l'avenir différemment. J'étais partie civile parce que j'étais au Bataclan le 13 novembre. Aujourd'hui, c'était la symbolique qui était forte, d'ailleurs de refermer ce chapitre de nos vies, le chapitre judiciaire. Donc, moi, je suis là depuis midi, donc parce que je voulais vraiment être sûr d'être dans la salle. C'était très, très important symboliquement d'y être. Et puis après, on sort et puis les émotions vous submergent et on ne sait pas trop quoi faire. C'est un peu confus, mais le procès m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais victime, vraiment. Le 18 octobre dernier, je suis allé à la barre, déposé. Je dis toujours maintenant à mes amis que c'est la chose la plus importante que j'ai fait dans ma vie. C'est le 18 octobre 2021. Je le fêterai maintenant comme une deuxième forme de renaissance. D'ailleurs, j'ai ma date d'anniversaire et le 18 octobre, je le fêterai aussi. Mais par contre, j'ai décidé de rayer le 13 novembre de mon calendrier. Voilà, le 18 octobre a pris la place parce que c'est plus constructif et ça a été le départ d'une nouvelle vie, véritablement. Je suis là parce que je suis la sœur d'une des victimes du Carillon, donc mon frère. Il a été touché de 3 balles, 2 dans le thorax et une qui lui a enlever l'usage de sa main. C'était important pour voir l'aboutissement de tout ce procès parce qu'on l'a suivi de manière assidue. Du coup, c'est vrai que ça marque une finalité pour nous. C'est malheureusement une partie de notre vie. Les attentats, ça a bouleversé notre quotidien au sein de notre famille. Pour mon frère, mais pour notre famille, ça l'a totalement bouleversé. C'est quelque chose, c'est du quotidien. Donc c'était important d'être partie prenante à ce procès. Et en tout cas, pour mon papa et pour moi, d'y assister régulièrement. Ça a répondu à beaucoup de nos questions. On avait plein d'interrogations et ça nous a apporté beaucoup le travail des enquêteurs, tout ce qui est fait en amont, tout ce qui était vraiment... On n'avait pas ce genre d'informations. Ça nous a apporté beaucoup et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Je ne peux pas parler d'une page qui se tourne, en tout cas pour moi. Peut-être pour d'autres victimes, familles de victimes, c'est différent. En tout cas pour nous, ce n'est pas une page qui se tourne, mais ça va nous permettre, voilà, on va dire, d'anticiper l'avenir différemment. Je m'appelle Marion, j'étais blessée au Bataclan le 13 novembre 2015. J'étais au Bataclan parce que je suis photographe pour le magazine Rock and Folk. Je me disais que être au verdict, c'était assez important, par respect pour tout le travail qui a été fait en 10 mois, pour les avocats. Vraiment, je trouve le travail qui a été accompli assez exceptionnel et vraiment par respect pour tout ça, pour notre justice française. Pour moi, c'était important de venir au palais de justice. Dans mon cas, je m'en sors assez bien. Je suis vite retournée faire des photos de concert. J'ai repris une vie quasi normale. Et donc, il y avait déjà une partie de page tournée avant le procès. Mais pour le coup, là, effectivement, c'est vraiment clos, je pense, définitivement, oui.